ça va très vite. Et vous avez la fourche à la gorge, excellent. Donc là, ça va être ici. Les doigts sont un peu plus raides, et tout ça là. Attention le pouce. Dans l'idée, pas. Ça va très vite. Pas ça. De là à là. Et là, je dose ma frappe avec la réserve. Si je fais ça, bon, il morfle, hein. Il prend un shoot, ça lui fait pas plaisir. Mais je suis hors distance. Donc là, si je veux vraiment, admettons, je suis en situation extrême, il a un couteau, je veux vraiment le sécher, voilà, me défendre efficacement, ça suffira peut-être pas. Parce que je suis hors distance. Ou je peux même, sous le stress, ne pas le toucher. Par contre, si je suis habitué à avoir la réserve, entre guillemets, voilà. Et là, c'est là tout l'importance de ne pas flinguer les gens sans arrêt, entre guillemets, c'est la réserve, c'est le fait de savoir doser ses frappes. N'importe qui, c'est pour ça, il y en a plein, c'est des bourrins, ils ont un niveau, très bon niveau technique, mais incapable de contrôler. Il y en a tellement. Après, on n'est pas à l'abri de se lâcher un peu, hein, ça arrive. Hein. Ce que je veux dire, voilà, il faut arrêter de taper sans arrêt fort. C'est donné à n'importe qui. Je prends un débutant, je dis vas-y, mets-lui une tatane, bam, c'est fa... Mais contrôler les frappes, contrôler. Qu'est-ce que c'est que ça là? C'est ça qui n'est pas facile, donc il faut comprendre. Et là, ça part. Le fait de contrôler, c'est quoi? C'est une contraction musculaire qui retient la bête. Si je lâche la bête, ça va traverser sa tête. Mais c'est pour ça, faut être, si on est raide tout le temps, il n'y a pas de contraction musculaire qui va freiner. On est déjà en contraction tout le temps et là, on va le fracasser trop. Si on est détendu à l'impact, je serre et au retour, je suis détendu. C'est ce qui fait qu'on contrôle. Ça va? Salut à toi, c'est Alexandre, j'espère que tu vas bien. Si tu visionnes cette vidéo, c'est que je suppose qu'on a une passion en commun qui sont les arts martiaux ou la self-défense. Eh bien, tu vas être content, reste attentif à ce qui va suivre parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais te donner un accès gratuit à une formation en ligne de self-défense. Alors, si tu ne me connais pas, tu verras, on aura l'occasion de faire connaissance à travers mes différents modules de formation donc que je t'offre donc pour te souhaiter la bienvenue. Je m'appelle Alexandre Acariès, je suis un très grand fan, passionné, voire obsédé des arts martiaux ou de la self-défense. Donc, comme je viens de te le dire, pour te souhaiter vraiment la bienvenue parmi ma communauté de fans de self-défense et d'arts martiaux, je souhaite t'offrir une formation en ligne. Comme tu le verras, c'est du contenu vidéo qui va t'aider considérablement à booster ta pratique de la self-défense au niveau supérieur. Tu y retrouveras donc des exercices, des techniques et des principes issus de mon expérience multidiscipline de plus de 25 ans, donc dans la pratique des arts martiaux ou de la self-défense. Alors c'est 100% gratuit, tout ce que tu as à faire pour en profiter, c'est tout simple, tu cliques sur le lien qui est en description donc de cette vidéo, tu vas atterrir sur une page où il te suffira de rentrer ton prénom et ton adresse email et puis je t'enverrai instantanément donc ton cadeau de bienvenue, ta formation offerte sur ton adresse email. Voilà, donc je t'invite à t'inscrire dès maintenant parce que c'est peut-être pas une offre que je vais laisser longtemps en ligne. Et puis donc je te dis, moi, me concernant, je te dis à tout de suite donc dans ton adresse email pour consulter ta formation vidéo offerte. À tout de suite.